dirait que vous avez emporté plus que ce drone de votre vaisseau. Quelques trucs étaient nécessaires. Je serais une courtière bien silencieuse sans mes rapports. Alors vous avez accès à vos ressources ? À ce que je peux. Il faudra mener des recherches sur l'appareil protéen. Tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il fait, c'est trop dangereux de l'utiliser. Les protéins avaient fabriqué cette arme ? Vous demandez si ça va marcher ? Ils n'auraient pas dépensé leurs dernières ressources dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains. Mais il faut vraiment savoir quel genre d'arme ils nous ont laissé. Ce serait sympa de pas faire comme des gosses qui jouent avec une arme chargée. Absolument. Les dégâts qu'ils pourraient causer en cas d'incident sont inimaginables. Ce sera difficile, même pour nous. Si quelque chose se produit sur le terrain, si on est blessé, je me souviendrai toujours de ce moment sur le Normandie. Mais voyons les choses en face, Shepard. Ça remonte à plus de 6 mois. On reprend les choses là où on les a laissées. C'est ce que je désire par-dessus tout, Lyra. Ouf. Je m'inquiétais. Il y a bien des raisons qui me rendaient heureuse de vous trouver sur Mars. Vous me les direz. Mais plus tard, il reste tant à faire. Je travaille avec Idea. Tôt ou tard, nous découvrirons ce que les protéins nous ont laissé. Mais j'ai hâte de parler d'autre chose que de travail et de recherche. Peut-être plus tard. Occupé ? Si vous voulez parler, j'ai le temps. Franchement, ça me ferait même du bien. À quoi vous pensez ? Autant mis par les moissonneurs pour massacrer les protéins, et autant qu'il leur faudra pour nous. Ils ont mis des siècles à éliminer les protéins. On n'est pas aussi dispersés, mais il faudra bien au moins 100 ans. C'est égoïste, mais je me dis que même si nous échouons, je n'ai que 109 ans, Shepard. Il se peut que je sois encore vivante pour voir s'achever ce cycle. Que 109 ans. Je sais, ça doit paraître étrange de se plaindre d'une espérance de vie de 1000 ans. J'ai longtemps trouvé triste que les autres races vivent si peu de temps. Mais ce n'est peut-être pas un privilège de vivre aussi longtemps, pour voir autant de morts. Ne vous torturez pas pour ça, Lyra. Le combat continue. Seulement parce que vous portez encore le drapeau. Nous avons enfin d'autres chefs avec nous. Mais aucun ne nous mènera aussi loin que vous. Parfois, je me demande comment vous faites. À chaque fois que c'est la fin du monde, j'imagine votre colère si je faisais rien pour l'empêcher. Je sais pas si je pourrais le faire sans vous. Vous me flattez. Je sais. On se voit plus tard, Shepard. Vous êtes sûr de rien vouloir faire de plus excitant ? J'adore cette partie du Présidium. Ça me rappelle mon enfance. Vous avez grandi où ? À Armalie, sur Tessia. Ma mère et moi vivions à côté d'un parc. J'y ai passé des heures. Qu'est-ce que vous faisiez ? Lire, explorer, creuser dans l'herbe pour trouver des ruines. Vous êtes sérieuse ? J'étais très jeune. En tout cas, c'est plutôt amusant. Personne n'avait trouvé ça drôle. Oh, ma mère m'avait remise à ma place. Le lendemain, elle m'avait acheté mon premier livre d'histoire. Elle me manque, Shepard. Elle était comment ? Confiante et gentille. Elle aimait porter du jaune. Je pensais que c'était la plus belle femme du monde. Tout ira bien, Lyra. Peut-être bien. Merci, Shepard. Je me sens mieux. J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Entre amis. Être amie ne me suffit plus désormais, Lyra. Oh, voilà qui semble sérieux. Je suis sérieuse. Quoi qu'il advienne, je veux passer ma vie avec vous. Alors, c'est une vraie chance que je partage vos sentiments ? Je sais.